Chers élèves de 9e, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue avec ce cours. On va faire des exercices du DELF. On travaille sur la compréhension orale. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 31. Aujourd'hui, on commence avec l'exercice 33. Avant d'écouter, on va lire les questions, lisez les questions, écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes dans une famille d'accueil en France, vous entendez cette conversation. Numéro 1, dans quel pays Hugo veut-il partir? En Irlande, en Angleterre, aux États-Unis? Question 2, la sœur d'Hugo est allée en Angleterre il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Question 3, combien de temps Hugo veut-il rester? Combien de temps Hugo veut-il rester? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Numéro 4, le séjour comprend des activités sportives toute l'année, des cours le matin et des activités l'après-midi, des activités le matin et des cours l'après-midi. Question 5, le séjour en Irlande. Moins cher que celui en Angleterre, plus cher que celui en Angleterre, au même prix. D'accord? Alors voilà, ce sont les questions. Vous pouvez lire les questions avant d'écouter. D'accord? Voilà, on va écouter l'enregistrement maintenant. Exercice 33. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes dans une famille d'accueil en France. Vous entendez cette conversation. Papa ? Cet été, j'aimerais bien faire un séjour linguistique en Irlande pour améliorer mon anglais. C'est une très bonne idée, ça, Hugo. Mais pourquoi tu ne fais pas un séjour en Angleterre? Ta sœur y est allée l'an dernier et elle a beaucoup aimé. Ton frère est parti aux États-Unis il y a 2 ans, il était content aussi. Je sais, mais j'aimerais faire quelque chose de différent. Et puis, en Irlande, il y a plus d'activités sportives. Je vois que tu t'es bien renseigné. Combien de temps dure le séjour? On peut s'inscrire pour 15 jours ou 3 semaines. Mais je pense que 3 semaines, c'est mieux pour apprendre la langue. T'auras des cours le matin? Oui, bien sûr. Et l'après-midi, il y a des activités et des sorties. En plus, le séjour est moins cher qu'en Angleterre. Tiens, regarde. J'ai trouvé la publicité sur ce site internet. D'accord, alors c'était la première écoute. On va lire les questions et vous pouvez commencer à répondre maintenant. Dans quel pays Hugo veut-il partir? Irlande, Angleterre, aux États-Unis? La sœur d'Hugo est allée en Angleterre il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Combien de temps Hugo veut-il rester? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Question 4. Le séjour comprend des activités sportives toute la journée, des cours le matin et des activités l'après-midi. Des activités le matin et des cours l'après-midi. Question 5, le séjour en Irlande est moins cher que celui en Angleterre, plus cher que celui en Angleterre au même prix, the same price. Alors, on va écouter pour la deuxième et la dernière fois et après, on va commencer à répondre aux questions ensemble. Exercice 33. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes dans une famille d'accueil en France. Vous entendez cette conversation.
Papa, cet été, j'aimerais bien faire un séjour linguistique en Irlande pour améliorer mon anglais. C'est une très bonne idée, ça, Hugo. Mais pourquoi tu ne fais pas un séjour en Angleterre? Ta sœur y est allée l'an dernier et elle a beaucoup aimé. Ton frère est parti aux États-Unis il y a 2 ans, il était content aussi. Je sais, mais j'aimerais faire quelque chose de différent. Et puis, en Irlande, il y a plus d'activités sportives. Je vois que tu t'es bien renseigné. Combien de temps dure le séjour? On peut s'inscrire pour 15 jours ou 3 semaines. Mais je pense que 3 semaines, c'est mieux pour apprendre la langue. T'auras des cours le matin? Oui, bien sûr. Et l'après-midi, il y a des activités et des sorties. En plus, le séjour est moins cher qu'en Angleterre. Tiens, regarde. J'ai trouvé la publicité sur ce site internet. D'accord, alors j'espère que c'était plus clair. Maintenant, on va commencer à répondre aux questions ensemble. Question numéro 1. Dans quel pays Hugo veut-il partir? Irlande, Angleterre, aux États-Unis? Voilà, la réponse c'est numéro A, en Irlande. Bravo! Numéro 2. La sœur d'Hugo est allée en Angleterre. Quand exactement? When? Il y a 1 an. 1 year. 2 years. 3 years. Alors, il y a 1 an. Bravo. La réponse, c'est numéro 1. Numéro 3. Combien de temps Hugo veut-il rester? He wants to stay en Irlande. Combien, pour combien de temps? 1 semaine. 1 week. 2 semaines. 2 weeks. 3 weeks. 3 semaines. Alors, la réponse... Bravo, c'est numéro C. Numéro 4, le séjour comprend. Alors, en Irlande, qu'est-ce qu'il va faire exactement, Hugo? Des activités sportives toute la journée, des cours le matin et des activités l'après-midi, des activités le matin et des cours l'après-midi. Alors, la réponse, c'est C numéro. Voilà, bravo, c'est numéro B. Question numéro 5, le séjour en Irlande est moins cher que celui en Angleterre, more expensive, plus cher, moins cher, c'est-à-dire pas cher, not expensive like the one en Angleterre, plus cher, more expensive que celui en Angleterre, au même prix, the same price, et la réponse c'est numéro, bravo, numéro A. Alors, on n'a pas fait attention, on a encore la question numéro 6. Question numéro 6. Oh, Hugo a-t-il vu ce séjour? Alors, il a trouvé ce séjour où exactement? Il a trouvé des informations sur ce séjour où? Alors, ici, nous avons 3 dessins. Il faut choisir. Alors, il a dit qu'il a trouvé ce séjour sur Internet. Et voilà, nous avons le site Internet www.com. Alors, la réponse, c'est numéro C. Bravo. D'accord? Alors, j'espère que c'était facile. On va faire des autres exercices à la prochaine vidéo. Au revoir.